Prince, l'affaire KS Bloom, si ça devient sérieux au Cameroun, hein, ça c'est quoi ça? Quel souillu! Chuch, le Cameroun! C'est humiliant, hein! Si c'est vrai ce qu'il dit, comment vous pouvez leur faire ça? Ne bloquez plus ces enfants-là chez vous! Anyway, comme vous le savez tantôt, KS Bloom et son staff est bloqué au Cameroun depuis hier. Et c'est chaud, ils accusent les promoteurs camerounais de ne les avoir pas reçus comme il fallait, de ne les avoir pas dirigés comme il fallait. En plus de cela, selon les dits de KS Bloom, c'est sur eux, c'est sur lui que la faute retombe. Depuis le début de cette journée, ça ne fait qu'aller de mal en pire. Tout le monde commence à s'y intéresser. Voilà Apuchu qui a commencé à mal parler déjà, jusqu'à dire qu'il vient défendre son frère ivoirien. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est permis de citer le nom de Mani Bella. Mani Bella aussi ne s'est pas laissé faire. Ah, elle a l'œil brossé. Une image pas jolie des Ivoiriens et j'ai l'impression que de là alors, la toile va chauffer. Voilà une guerre à nouveau Cameroun-Côte d'Ivoire qui est en train de commencer comme ça. Le net est... En tout cas, KS Bloom est déjà en train de faire appel à son ambassade pour venir les sortir de ce pétrin. Écoutez très bien ce qu'il dit. Vous venez nous bloquer, ils ont annulé nos billets de demain, on ne peut plus rentrer chez nous. Je... Pardon, non, c'était Kadhafi, c'était Kadhafi. Ah, ils nous empêchent de rentrer chez nous en Côte d'Ivoire. Vous nous donnez des millions, vous ne nous avez pas donné des millions. On dit ok, on vous a laissé dans votre truc. Et vous nous empêchez d'entrer chez nous. Je fais appel aux autorités de mon pays. Je fais appel aux autorités de mon pays. Actuellement, je suis au Cameroun. Il est 22h56 ici. Demain matin, je dois être dans mon pays. Demain matin, on doit tous être dans notre pays. On doit tous être dans notre pays. Je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. L'hôtel qui nous a logés ici, il faut communiquer pour dire qu'on... On vient chercher les affaires, les managers viennent chercher leurs affaires. Les affaires ont été confisquées. Sauf peut-être qu'ils ont retiré toutes les factures et que c'est maintenant nous qui devons payer les factures dans l'hôtel dans lequel on a dormi, où les promoteurs nous ont installés. Alors que l'hôtel est censé être partenaire de Mérina Hôtel. Je ne sais pas. Mérina Hôtel est censé être partenaire de l'événement. La famille, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas.